Dinor, CDF. Attention, là, on grenade. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tina CDF et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 40 de notre série sur Wall Building. Alors, je suis toujours en compagnie, moi tu es une dame, ok là, elle fait ses pattes sale bête, t'as fini, t'arrêtes tes bêtises, t'as pas le droit. Bref, effectivement, avant de commencer cet épisode les gens, avant de commencer l'épisode 41 de notre série sur Wall Building, je voulais vous parler d'une chose. Le serveur Redcraft a failli ouvrir. Effectivement, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires YouTube, notamment, mais pas que. Alors là, actuellement, vous avez plus la cam, tout simplement, parce que c'est normal, je vais aller dans la communauté. Mais elle va revenir après, vous inquiétez pas, c'est parce que là, j'ai coupé le jeu. C'est là-dedans. Donc, Redcraft 3, j'avais publié déjà sur Redcraft 3 pour prévenir que le serveur allait ouvrir. Parce qu'effectivement, le serveur aller ouvrir. Ah d'accord. C'était... Ah non, c'est bon, ça charge. Ah ouais, j'allais dire, ça a été supprimé, mais non, c'est bon. Donc, j'avais publié, donc, mercredi, que le serveur ouvrirait le 1er novembre 2015, parce qu'on avait une première date pour la mise à jour, concernant la nouvelle mise à jour Minecraft, donc le 23 octobre 2015, et il s'avérerait que le vendredi 23 octobre 2015, qui est passé maintenant, nous avons reçu une mise à jour Minecraft, effectivement, mais pas celle qu'on attendait, bon, donc pas celle-là. Et tout simplement, quand on a eu la mise à jour et qu'on a vu ce qu'il y avait dedans, je vais vous la présenter hein, brièvement, bien sûr, parce que voilà, on n'a pas que ça qu'à faire. Et on a vu aussi ce jour-là que, bah, date inconnue pour cette mise à jour, elle est redevenue à zéro, et que finalement, on ne l'aurait pas cette fois-ci. Donc voilà, à mon avis, ils se sont emmêlés les pinceaux dans les dates. C'est dommage, mais c'est comme ça. On n'y peut rien, bah, personnellement, moi j'y peux rien, donc voilà. Et comme c'est écrit à l'écran, bah, face punch, bande d'enculés, je vais vous niquer. mis à part ça, on a eu une très bonne mise à jour. Effectivement, on a eu un pack de skins Halloween à payer. Bien sûr, bah sinon on ferait comment pour avoir une bonne mise à jour. Voilà, on a eu une map Halloween encore une fois à payer, donc c'est génial. Et pour finir, on a eu un pack de textures Halloween à payer. Voilà. Donc dans l'histoire, on se fait pénétrer bien profond. Voilà. C'est juste pour faire passer ma colère contre Mojang qui nous ont clairement pénétré par derrière et j'en passe. On va arrêter de parler d'eux parce que voilà. Bref. Bah moi ce que je vous propose c'est tout de suite de commencer. Donc c'est parti. Alors effectivement, comme vous pouvez l'entendre, j'ai changé de musique. J'ai changé de musique tout simplement parce que j'ai fait que deux vidéos avec l'autre pack de musique et j'ai eu des revendications disant que bah j'avais pas le droit de publier ces musiques, que bah les vidéos soit je les monétisais au nom de l'auteur des musiques ou soit je les supprimais. Donc bah j'ai dû les monétiser au nom de d'un autre. Et comme je fais pas YouTube pour rien. Voilà quoi. Je veux dire. Je fais surtout ça pour la passion, mais bon, si je peux gagner un peu d'argent à côté, même si je gagne pas grand-chose, c'est toujours ça. Et, mis à part ça, il y a quoi au-dessus, là? Ah d'accord, c'est la sortie. Autant pour moi, j'ai rien dit. Mis à part ça, on a quand même... j'ai pas grand-chose, hein, mais dès que j'aurai quelque chose, on va dire de conséquent... Vous serez mis au courant de ce que je ferai avec cet argent. Pour l'instant, j'ai rien. Je vous avais dit que j'avais eu un premier versement, mais ce que j'avais fait avec. Maintenant, j'en attends un deuxième, et puis bah, on verra bien ce que je ferai avec. Mais pour l'instant, bah, j'ai rien de prévu. J'ai rien de prévu avec. Alors, on a été où à notre construction? Voyons. Je crois que je vais...
se retrouve. Bon. On va dire que c'est potable. Alors n'hésitez surtout pas à suivre ce que je fais. Hein. Faites très attention parce que des fois je vais un peu vite. Je vous l'accorde. Mais bon, si vous voulez que ce soit aussi beau que moi, n'hésitez pas à poursuivre ce que je fais. Et à ne pas vous arrêter là. Ah, parce qu'effectivement, il y en a qui me disent que mes constructions sont magnifiques. Mais je vois pas ce qu'elles ont de plus que la construction qu'un autre. C'est des constructions où tout le monde peut faire. Hein. Je veux dire, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Ça, je vous le dis très clairement, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Voilà. Comme ça. Escalier à l'envers, donc on suit le pattern, hein, classique. Voilà, escalier à l'envers ici et ici. Et on va venir faire un plat en pierre. Faites un plat de briques, hein. On va pas s'embêter. Je sais pas ce que je vais faire après. Normalement, on n'est pas loin de la fin de la construction. Je pense que c'est même le dernier épisode. Clairement, je pense que c'est même le dernier épisode. Ouais. Parce qu'après, le toit, il va être là. Ouais, parce que sinon, après, on va monter beaucoup trop haut, ça va faire dégueulasse. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là après. Alors, effectivement, de l'autre côté, j'avais pas fait la même chose ici. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, ici, exactement. Vous allez mettre des escaliers à l'envers, comme ça, à l'endroit plutôt. Et après, n'hésitez surtout pas à pas casser le pattern, hein, faites attention. Et ici, à l'envers. Merde ! Alors ici, on va faire des hertz. Des hertz. Effectivement, on va faire des hertz, mais un peu space. Je vous explique. Mettez une médaille. Comme ceci, un autre bloc. Pour faire le mur, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et là, vous allez... Alors, on va
faire ceci. Mettre un sol plat ici. Non, excusez-moi. On va mettre un escalier. Pour dire de là aussi. Alors, ce que je vous avais expliqué sur les R, ça va faire pareil ici. Génial. Voilà, et puis on va finir par monter tout ça de 2 de hauteur. Donc ça c'est pour les gardes, c'est pour ceux qui sont au combat et qui si jamais la forteresse, la prison se fait attaquer, les gens ils peuvent s'enfermer dans la prison. Si jamais le royaume il se fait attaquer, les gardes s'enferment dans la prison et puis commencent à défendre la position avec des arcs, des archers, etc., etc. Donc ce n'est qu'un point positif. Je sais même pas si ça s'appelait pas des Hertz, ça s'appelait ça avait un autre nom. Je sais plus lequel, mais ça avait un autre nom que ça, Hertz. Et voilà. Continuons, continuons, continuons. On en était là. Alors,
Nous avons demi-dalle, une sur deux, on va dire. Nous avons la wall, nous avons la fence en bois, et la toile sur la demi-dalle. Comme ceci. Donc là, c'est pareil, hein. Si le château il se fait attaquer, accoster, tout ce que vous voulez, il peut être défendu. Alors, j'en ai mis très peu, effectivement, mais vous pouvez en mettre beaucoup. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre de la mousseline, parce que c'est vrai que le château, il est assez vieux. J'en ai mis au début, et après, j'ai complètement zappé d'en mettre. Du coup, bah, n'hésitez pas à en mettre. Voilà, vous en mettez une sur deux, de temps en temps. Voilà. Alors, n'importe où vous la mettez, mettez-en, pour dire que ça fait quand même ancien. Parce que si vous en mettez pas, ça va faire... Il va manquer un truc au château. À la prison, plutôt. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps château, mais voilà, bref. Peut-être parce que ça a une allure de château. Hop. Vous pouvez mettre aussi des walls, hein, comme je fais. Mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des walls. Effectivement, n'hésitez pas à en mettre des walls. Vous pouvez. Vous pouvez aussi improviser. Génial. Donc maintenant, il y a ça. Voilà. J'ai pas précisé, mais c'est la partie 5 hein, de notre prison. J'ai oublié de le dire au début, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Voilà. Vous mettez votre dernier sol. Après, on va faire toutes les cellules. Parce que c'est pas fini, hein, bien sûr. Il reste toutes les cellules à faire. Il n'y a pas que les cellules. Hein. Il y a aussi l'endroit où... la cantine, etc., etc. Voilà. Point de vue. C'est quand même badass. Ouais, c'est badass. Donc on va partir du milieu. Et au milieu, il y aura une demi-dalle. Donc après, bah, c'est à vous de voir pour faire votre... Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Ça, pareil. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir pour faire votre tout le tour. Mettez une fois sur deux votre demi-dalle. Comme je fais. Donc normalement vous devez tomber si au milieu c'est une demi-dalle aussi. Hein. À chaque fois c'est une demi-dalle au milieu. Si vous tombez pas sur une demi-dalle, c'est vraiment que votre construction elle a une couille. Elle a une couille dans le pâté. Au milieu, on est avec... Ah par là, au milieu là vous êtes avec un bloc. Mais sinon, les autres middle, ils sont avec une demi-dalle. Hein. Très important, ici. Le middle de cette face est avec une demi-dalle. Où il y a les herses. Et de l'autre côté où il y a les espèces de trous, comme ça, ben vous êtes avec un bloc au milieu. D'accord? Ça a vraiment de la gueule, hein. Ici, il n'y a pas cette trou. Comme ça. Les trous anciens, vieux, caoutchouteux, de pourriture. Wouch! Donc un bloc, là. Ah non. C'est bon. Ici aussi. Là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà,
Ici, c'est pas bon. Et ici. What? Ah, j'ai cru que l'escalier est tourné, je vais dire oui, il y a une couille. Ça, c'est l'arrière de la prison. Ça, c'est l'avant. Ensuite, parce que c'est pas fini, hein, vous allez me diminuer ce bloc de 1, puis, non, vous allez me le remettre, excusez-moi. Vous allez commencer à monter sur 5 de hauteur, et vous allez commencer à descendre, comme ceci, c'est pas ce que je fais, en fait, vous allez faire ce que je fais, vous allez descendre comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ceci, vous allez monter encore de 1. Vous allez monter de 3 encore. Et pour finir, vous allez mettre 2 blocs. Non, pas 2 blocs, j'ai des bêtises. Vous allez mettre que 100 en fait. Je suis bête. Que 100 blocs. La totalité en blocs. Encore un, pour faire plaisir. La petite fence. Pour terminer la pointe et pour finir vraiment pour mettre un terme à cette beauté de voilà très clairement comme ceci. Alors on est en France hein, donc je vais faire un drapeau français. Non, je vais faire le drapeau de Redcraft, mais par contre, je sais plus comment il est. La blague. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que bah, je m'en souviens même plus. Je sais que ces quatre couleurs là. Faudrait que je vais voir comment il est le drapeau de Redcraft parce que je m'en souviens plus. Ah bah il est là-bas. Nickel. Ceci est le drapeau de Redcraft. Ah ouais, déjà, il est fait en ça. Alors, un L à l'envers, un espèce de 3 comme ça. Alors, on va reproduire ça. Alors, comme la face est de ce côté-là, là-bas, on va faire le drapeau de côté. Donc, de ce côté, ici, de 3. D'accord, alors effectivement, on avait dit... non, c'est rouge. 3 à l'envers. Comme ça. On avait dit un orange. Un petit peu space orange. Ok. Ça a de sens. Comme ça. 2. Le jaune reprend ici. Pour faire ça plus 2. Et là, on va venir lier le jaune et le vert comme ça. Ah, excusez-moi, j'ai une mauvaise vue, hein, mais... Donc, 2, 3. Après, on refait. D'accord, c'est bon, j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai.
C'est moi qui l'ai fait, le robot Redcraft, hein, de base. C'est moi qui l'ai créé. Hein. Après, vous faites votre drapeau, hein, selon la... La construction, bah, selon le serveur que vous avez. Hein. Regardez, je vais même faire ça. Comme ceci, donc ça on le brise et ça on le brise, donc là on en a trois, donc là on a ça, 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 donc ici ça on le pète, et ici on vient le remettre en arrière comme ça. Et là vous pouvez mettre une pierre. Ça rendra déjà mieux. Ouais, c'est mieux là quand même. Ça a plus de la gueule. Ah, c'est bon ça. Bref, on a combien? On est à 28 minutes. Donc ça c'était un test. Hein. On peut l'enlever. Hop là. Bref. J'ai pas fini, hein. Il reste ça là. Alors, ici vous pouvez mettre une... Non, pas là. Vous allez mettre une wall, une fence et une torche. Vous allez dire, mais où il va mettre ça, lui, là? Eh ben, j'ai décidé de le mettre ici. Alors, la wall, la fence, la torche. Voilà. Ici aussi. Wall, fence, torche. Wall, fence, torche. Wall, s'il vous plaît. Fence, torche. Donc là, vous en mettez pas, hein, forcément. Ici, wall, fence, torche. Ici, wall, fence, torche. Il y a une couille, là. Je crois que là, il y a des escaliers, mais je suis pas sûr. Ici. Il y a des escaliers, hein. Avec des fences ici. Donc ici, wall, fence, torche. Wall, fence, torche. Et pour finir, wall, fence, torche. Voilà. On va continuer ici avec nos torches. On va descendre au sous-sol. Et encore une fois sous-sol, comme ceci, avec nos échelles. Voilà, bon, vous pouvez faire dépasser l'échelle pour faire plaisir. Voilà, donc c'est là qu'on va venir pour attaquer. Ici, bah surtout pour défendre, pas pour attaquer. Donc ça, c'est vraiment le dernier endroit où on va venir pour défoncer tout le monde et autres. Mais ça va être aussi le réfectoire, là où on va pouvoir manger pour les prisonniers. Donc c'est pas le Claude Med, hein.
à l'envers pour faire la table de l'autre côté. Donc vous pouvez aussi arrondir le truc pour éviter que ça fasse un truc tout bizarre. Et après vous de claquer les chaises. Donc les chaises seront en bois. Voilà, donc on part du bord pour aller au bord. On va en mettre moins, on va en mettre 6. Comme ça. On va faire un double banc ici et un double banc ici. Voilà. C'est pas collé, hein. Non, c'est pas collé. Voilà, comme ça va être que d'un sens, on va le mettre que d'un sens, forcément, mais on va la mettre que d'un sens, ouais. Je me suis compris, vous inquiétez pas. Donc ça c'est la cuisine, c'est magnifique. Ensuite en dessous nous avons l'endroit où on va garder, où on va mettre tout ce qui est les clés, tout ce qui va servir pour les gardes. Les armures, je reviendrai pas dans la construction, mais ça sera à vous de le faire. Pour ce qui est du constructeur sur Redcraft 3, celui qui va regarder cette vidéo pour construire la prison sur Redcraft 3, si c'est pas moi qui l'a fait, t'appelles Tina et tu lui dis... Maintenant, tu dois mettre des portes-armures. Je la remettrai sûrement dans un prochain wall building, mais là, je peux pas le faire parce que je l'ai pas encore mise à jour. Mais, toi qui es derrière ton écran, tu mettras des portes-armures. Voilà. Donc après, t'en mets un peu partout, des portes-armures, hein, tu te fais pas chier. Et on va préparer un endroit spécial pour l'occasion. Alors, vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup. Ou pas. Tout à fait, c'est exactement ici que je voulais pas casser. Donc on va remettre ce qu'il y avait là. Ok. Donc ici, comme ça. Escalier à l'envers, s'il te plaît. Voilà, l'escalier à l'envers, pourquoi pas. Voilà. Hop, si vous mettez un autre escalier, bah de l'autre sens, forcément. Ici, à la place de l'amidale. Comme je disais ici, à la place de l'amidale, vous mettez un autre escalier. Comme ceci. Là, un escalier, ici un escalier à l'envers. Tina, elle a la porte, elle est en train de chialer parce qu'elle a faim. Je vais aller lui donner à manger après. Bah, c'est ma mère qui va le faire plutôt, mais bon, ça revient même. Dans tous les cas, ça sera fait. Hop. Hop. Et ici, vous allez venir me mettre... La toiture, le summum du summum. Bref, vous avez compris, quoi. Ici. Ça là. Ça là. Et ça là. Voilà, votre fence gate. Très important. Donc là, bah, je l'ai mis d'une couleur de bois différente. On va mettre en chêne. Voilà.
Et comme normalement, il y a ce qu'il faut. Voilà. On va mettre un petit panneau avec des clés. Voilà, pour faire style que, bah, voilà, on est dans une prison, quand même, qui a des clés. Sur le tableau où on accroche les clés. Les clés, on peut les représenter par ceci. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens font. Ils représentent les clés par ceci. Voilà, et ils claquent sur le mur. Au calme. Ici. Parce que là, c'est sombre. Hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, d'ailleurs. On va mettre des torches. Et là. Donc il doit y avoir exactement 6 cellules. On en a déjà fait 4. Donc on va en faire 12 cellules parce qu'on va refaire le même guichet ici. Donc les porte-armures, vous pouvez les mettre là. Une, and là, and là, and là. D'accord ? Avec des armures différentes. And là, and là, and là. Avec des armures en fer, des armures en or, des armures en maille. Mais surtout pas d'armure diams. D'armure diams. D'accord ? Parce que sinon, sur le serveur, ça c'est sûr et certain, je vais me les faire voler. Donc ça sert à rien d'en mettre. Pour le constructeur, n'en mets pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc, on reprend notre construction depuis le début. Ceci, 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 j'ai déjà pris. On recommence. Ceci, 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 ceci. Alors, 1, 2, 3. Comme ceci. Votre escalier à l'envers. Votre escalier à l'endroit. Escalier à l'envers. Escalier à l'envers. Donc il y aura donc 12 cellules, forcément, parce qu'il y a 12 clés. Voilà. Le levier, la face gate, remplacée par le levier pour mettre ici, la wall, la fence, et la demi-dalle de pierre que nous n'avons pas pris parce que je l'ai oublié. Et voilà, nous avons un poste de garde parfaitement bien reproduit. Donc on a 2 cellules ici. C'est encore assez sombre. C'est encore assez sombre parce que j'ai oublié une torche ici. Voilà. Donc comme en face, vous mettez une torche. 2 cellules à cette hauteur, je trouve qu'il y en a largement assez. Alors on peut encore en mettre ici. Donc on va en remettre ici. Les cellules font. Sont quand même spacieuses. Hein. On va dire un petit 9 sur 9. Alors. Une, deux, trois. Le bloc de pierre. Une, deux. Le bloc de pierre. Voilà. Bon, là, il pourra parler avec son coéquipier. Comme on n'est pas là pour faire la discussion, on est en prison, c'est bien pour s'emmerder. Et je vous l'accorde, vous allez vous emmerder. Ça vous fera réfléchir deux fois avant d'enfreindre les règles sur Redcraft. Ou sur un autre serveur, hein, quelconque. Alors, ensuite. Escalier à l'envers, jusque ici vous mettez un bloc, ici on reprend les escaliers à l'envers. Donc le bloc, les escaliers à l'envers, c'est pour donner un style.
comme ceci. Comme ceci. Et ceci. On continue. Comme ceci. Et ceci. Voilà. 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 Parfait. Parfait. Alors là, on va remettre des demi-dolles. Autour. Voilà. Donc je vous rappelle que la prison est assez vieille. Donc surtout n'hésitez pas à faire ça, par exemple. Voilà, ou à claquer une demi-dalle. Oups. Claquer une demi-dalle genre ici. Voilà. Ou là par exemple. Ou là. Non pas là parce que là ça peut embêter. Alors ici, on va recasser les barreaux, ce qui ne nous sert à rien. On va remettre la wall que je viens de casser ici. Hop. Pour la peine on va faire une mousseline. Alors. On va prendre une torche, hop, classique. Voilà. C'est vrai que ça rend mieux si on fait ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Ah ouais, ça tue sa mère. Ensuite, on continue. Est-ce que j'avais mis d'autres? Ah oui, j'avais mis un truc pour se laver. Donc effectivement, on va refaire pareil. De quoi se laver. Donc pour éviter qu'il se noie. Ou alors qu'il succombe dans l'eau. On met une demi-dalle au-dessus. C'est bien sûr pour éviter les suicides. Parce que si le mec il arrive à se noyer dans 15 cm d'eau, c'est vraiment que la prison elle est pas sécurisée du tout. Voilà. On monte ici la petite escalier au-dessus pour te faire beau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà 6 cellules. Magnifique, on doit en faire 12 en tout, je vous le rappelle. Hop, on va prendre un villageois. Et on va prendre une tête de squelette. Et on va prendre des toiles d'araignée. Donc n'hésitez pas à mettre des toiles d'araignée. Hein. Pas forcément au même endroit tout le temps. On va dire de faire ancien, vieux... Tout délabré, on va dire. Enfin, pas délabré, hein, parce que voilà, la prison elle est pas délabrée. Hein. Mais bon, pour faire. Voilà. Alors. Voilà. Donc, par exemple. Ce mec est mort en prison.
C'est un exemple. Et on va dire que là, cette prison, cette cellule-là est occupée aussi. Hop là. Magnifique. Donc déjà deux cellules. Parfait, donc cela, c'est terminé. Passons maintenant au sous-sol. Ah, à la suite plutôt, pas au sous-sol. Voilà. Il y a des échelles à mettre partout ici aussi. Hein. Je ne l'ai pas forcément dit, mais aux quatre coins des trucs, il y a des échelles à mettre. Hein. Je pense que vous en doutiez, vous l'avez déjà mis, mais bon. Et je vous le dis au cas où vous ne l'avez pas fait. C'est à faire. Ça, et ici, je ne l'ai pas fait normalement. Et là, je viens de faire les quatre coins. Voilà. Ensuite, les six dernières cellules, on va les faire ici. Non, on ne peut pas les faire ici. Ici, 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 si on va faire des cellules, mais on va pas en faire 6. On va en faire 2 collectifs de 3 pour 3 personnes en fait. Donc en tout, il y aura 6 personnes qui pourront être emprisonnées dans cette prison. En tout cas. Alors. Il y aura 4 cellules donc. Donc on est à 3, ici on est à 3, ici on est à 3, et donc là on va être à 3. Prochain. Donc 1, 2, 3, magnifique. Voilà. Génial. Parfait. Parfait, 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 parfait. On va prendre des demi-dalles. Et on va venir faire comme ceci. Pour faire croire que le sol il monte de 1. En fait, il reste où il est, mais pour faire croire qu'il monte de 1, parce que sinon, on a une une différence de bois directe entre ça et ça, donc ça fait dégueulasse. Donc je le change. Voilà, donc pour les cellules, on descend de 1 pour rentrer dans les cellules. En gros, c'est une butée qui sert à rien. Voilà. Et ici. Donc ce coin-là, il sert à quelque chose.
Donc c'est ce coin-là qui sert à quelque chose. Donc comme je dis, ce coin-là, il sert à rien. Tina, arrête de nifler partout, là. Tina! Vas-y, on commence à m'énerver, là. Arrête des bêtises. Couche-toi. Oh, elle est chiante, hein. De ouf. Couche-toi. Bref. Je crois qu'on va s'arrêter là, les gens, pour cet épisode. Ça va être bien. Et puis on reprendra au prochain épisode pour la fin. Parce que bon, on va terminer maintenant. On va terminer maintenant, de toute façon c'est fini là. Il n'y a plus rien à faire. Et d'ailleurs la musique elle s'est arrêtée tellement qu'il n'y avait plus rien à faire. Lol. On reprend. Alors. Hop là. Voilà. Voilà. On va pouvoir venir mettre une demi-dalle sur le plafond. Comme ça sur tout le contour, hein, pas sur tout le plafond. Voilà. Bah c'est lui, il est même pas carré. Normalement c'est là. Elle devait être. C'est pas grave, c'est qu'un détail, on va le faire tout de suite, hein. Mais c'est pas grave. Ça se serait vu à la longue, à mon avis. C'est mon avis. Hein. Et il est personnel. Et il faut changer le sol aussi. Parce qu'en dessous, il y a le système en redstone. Donc si le mec il arrive à s'évader par là, mon dieu, j'imagine même pas les dégâts. Parce que généralement, quand le mec il enfreint les règles, il sait qu'il enfreint les règles. S'il se fait prendre, il va rager. S'il se fait emprisonner, il va encore plus rager. Parce que forcément, il va vouloir peut-être se venger. S'il veut se venger, le système Arrestone, si on y touche, moi ça me prend la tête. Ça m'énerve. Et généralement, je gère la personne tout de suite. Mais bon, c'est pour éviter. Donc on va changer le sol et on va le mettre en pierre. Voilà, tout simplement. Bah, normalement, on aura pas ils auront pas les droits de casser, donc parce qu'en tôle, j'enlève les droits de casser, sinon bah, ils peuvent facilement casser la pierre ou autre. Mais bon, c'est pas une raison, quoi, on sait jamais. On va prévenir que guérir. Puis, de toute façon, ça fait plus stylé avec de la pierre. Voilà. Notre demi... Ici. Ici. Oups, ici. Voilà, notre petite demi-dalle ici. Tranquille. Au calme, détendu.
Donc ici, je voulais mettre un mur. Très clair comme ça. Donc l'entrée de la cellule. Calme, là on va enlever ce mur, on va mettre un mur. Voilà. Non, tout ça pour boire, ou alors pour faire ce qu'on a à faire. Et là, bah, faut attendre la nuit, et ici, ce sera la porte d'entrée de la cellule. Voilà, donc ça c'est une cellule pour 4, oh, pour une team limite. Ici on peut faire une autre entrée de cellule, ici aussi. Non, on va le faire de ce côté là, comme ça bah, j'aurai pas à refaire le mur. Pareil pour ici. Voilà. Excusez-moi. Oh non, même pas. On va faire une cellule solo. Comme ceci. Comme ça, comme ça. Merde ! Crotte, caca boudin. Hop là. Voilà, comme ça le mec il pourra venir voir sans souci.
Voilà, et puis c'est tout. Alors, juste dans cette cellule, ce qu'il n'y aura pas dans les autres, c'est tout simplement le petit siège pour attendre, pour s'asseoir. Voilà, au calme. On va mettre juste une petite torche à l'entrée, comme ceci. Une petite torche ici. Et puis, pour moi, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les gens. Si jamais vous voyez qu'il manque quelque chose, genre dans, par exemple une torche ici. Faites le tour de votre fabrique. Dites-moi si il vous manque des choses. Pour moi, tout a l'air ok. Donc si pour moi tout est ok, bah, je pense que pour vous c'est pareil. Mettez bien des torches un peu partout, hein, pour bien éclairer. Voilà. Eh, hey, tu commences à m'énerver, Tino. Arrête! Voilà. Pourquoi? Ah ouais, c'est bon. Voilà, magnifique. Pour moi, tout est ok. Bref, j'espère que bah cette construction en 4 parties de la prison vous aura plu. Si jamais vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, n'hésitez pas. La barre des commentaires, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, c'est 5 parties de vidéo, je pense, si je dis pas de bêtises. The World Building pour construire cette prison vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter, à donner votre avis, à partager cette vidéo, ou alors la série tout simplement, la playlist. Et puis sur ce, bah, moi je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode de World Building pour une nouvelle construction. Allez,